Eh bien bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne, nouvelle session sur Lost Sphere avec beaucoup de révélations de la dernière fois. Je vous lis un petit résumé comme d'habitude. Alors, espoir perdu. L'équipe arrive à Gracia et tente de reconstituer Marche, la capitale royale perdue, mais échoue. C'est à ce moment que Van révèle qu'il est le prince héritier de Gracia et a la ferme intention de restaurer la capitale disparue. Il sacrifie Kanata avec ses dards. Les autres membres de l'équipe découvrent Kanata à moitié mort et poursuivent Van pour l'interroger. Van avoue qu'une silhouette mystérieuse l'a convaincu que Marche serait sauvé s'il tuait Kanata. Van réalise ensuite qu'il a été piégé par Chrome. L'ambition de Chrome. L'équipe fait appel à l'empereur Neodeus et ses pouvoirs pour infiltrer les souvenirs de Chrome et l'empêcher de prendre le contrôle de ceux de Kanata. L'équipe apprend que pour éviter que la lune ne fasse disparaître le monde, Chrome a créé des êtres appelés Vorg, ainsi qu'un réacteur, le Kiln Lunaire. Avec eux, il était censé bloquer les pouvoirs de la Lune, mais la véritable intention de Chrome était de contrôler ses pouvoirs pour dominer le monde. Dans un endroit appelé Frontière du Souvenir, l'équipe détruit les souvenirs de Chrome et parvient à ressusciter Kanata. Voilà, donc il y a eu des grosses révélations, je vous invite évidemment à regarder la rediffusion des deux derniers épisodes, qui vous permettra d'avoir tous les petits détails. Du coup, on part maintenant chercher un aérovol. Et nouvelle destination, je sais trop rien en fait, je ne me souviens pas. Un aérovol implique que nous devons aller à la rampe de lancement de la base, ok. D'abord un navire, maintenant un aérovol, quel monde. Bon, on va voir quelle est notre prochaine destination. Je vous avoue que j'ai complètement oublié le nom. Bref, c'est parti. Et bonsoir Morgane. Hier, il y avait quand même des saccades hein, sur le stream. J'ai regardé vite fait. Salut Zenko! Comment ça va? C'est bien de partir sans destination. Mais... On n'a pas de temps à perdre avec des boîtes de conserve. Ils pensent pas au sort du monde. Plus le temps passe et plus Chrome risque de transformer nos craintes en réalité. Les chiens impériaux ne sont bons qu'à une seule chose. Mordre leur queue et tourner en rond. Oh la punchline. Tout vient à point. À qui sait attendre, on dirait. Je vous tiens, sale traître. Vous m'avez peut-être battu, mais cette fois, je tiens ma revanche. C'est qui le blondinet avec lui, là? Ah non, c'est l'autre. On n'est pas venu se battre. Si on ne se dépêche pas, la ville, non, le monde sera perdu. Il nous faut un aérovol pour atteindre l'origine de cette crise. Vous pensiez vraiment que j'allais vous laisser prendre un aérovol comme ça? La bêtise des vauriens de votre espèce me surprendra toujours. Les seules personnes à pouvoir octroyer un aérovol sont l'empereur Neodeus et le seigneur Zemrod. Et aucun d'eux n'est ici. Le seigneur Zemrod a quitté l'enceinte de la ville? Exact, c'est moi qui dirige la capitale maintenant. L'hôtel a pris ses jambes à son cou en fait. Et tous ceux qui cherchent à troubler l'harmonie de notre beau royaume auront ce qu'ils méritent. Pardonne mon interruption, Tradeus. Se pourrait-il que nous abusions de notre autorité dans cette situation? Nos ordres sont d'assurer la sécurité de la population avant tout, il me semble. C'est en tout cas ce que Sa Majesté nous a ordonné avant son départ. Il serait peut-être préférable de s'occuper d'eux à un moment plus opportun, hein? Si je ne te connaissais pas mieux, Aronus, je te soupçonnerais de sympathiser avec l'ennemi. Alors je suis content que tu me connaisses bien. Mais nous devons bien faire quelque chose d'eux. Nous ne pouvons pas les laisser partir comme ça. Je sais, réglons cette histoire par un face-à-face. Un face-à-face? Simple et efficace, non? Vous pouvez sélectionner un membre de votre groupe comme représentant. What? Quel est ton nom déjà? Dianto, c'est ça? Tu feras un bon adversaire. Tout ce que tu as à faire, c'est d'affronter le général et moi. Eh mais attends, il m'a dit que je devais choisir. Très bien. Qu'est-ce que tu fais, Aronus? Je n'ai jamais accepté ça. Mais Tradeus, ta supériorité ne fait aucun doute.
En outre, si un général refusait un défi, la honte retomberait sur nous tous. Très bien. Excellent. Nous sommes donc tous d'accord. Vous allez regretter de m'avoir choisi. J'espère que vous savez ce que vous faites, Général Aronus. La vie des gens est en jeu. Tout sera révélé si et quand vous serez victorieux. Bon, pas de seconde chance, et n'oubliez pas, je veux voir un combat dans les règles. Un combat dans les règles? Quand j'en aurai fini avec cette chose, c'est toi qui nettoieras ce bazar. Ah d'accord, lui je suis obligé de le prendre, mais les autres je peux choisir. Bon, je crois qu'on va laisser comme ça. Hein. Ah, je peux taper que celui-là? Non, c'est bon. J'ai rien dit. Hanatsu. Superbe taillade. Alors, non, j'aurais pas dû faire ça. Il me fallait un momentum pour mettre du poison. C'est pas très grave. Yigzo. Je devrais peut-être en focus 1 en fait. Ce serait mieux, je pense. Bon, là ils sont trop loin les uns des autres. Quoique, c'est pas mal en fait, hein. On va commencer par Aronus. Oh là là, ça y est, ça commence. Artefact il a une super résistance, lui. Il faut peut-être que je le tape dans le dos en fait. Ouais, je crois que je vais focus l'autre en fait, hein. Parce que lui, je sais pas, ça lui met que des dégâts très très bad. Ou alors j'essaie dans son dos. Ouais, c'était ça en fait. Faut vraiment que je le tape dans le dos. Ouais, c'est passé quoi là? Elle s'est fait genre agresser de ouf. Je l'ai empoisonné. Pourtant, j'ai pas mis de momentum là. Bon. Chagek.
僕の番だね。刺激必殺。深いか。ほら、ほら、ほら。援護に回る。行けるぞ。行動可能。バイタルコンバーター作動。風で戦える。行くよ。我が行く。この華麗な舞に見とれるなよ。トマナ。 動きについてくれ。効果だよ。覚悟してよね。僕の番だね。ね、lâcherai pas dans son dos. On va plutôt mettre un shield. 援護に回る。 私に任せて。行動可能。放つ。ナイス。やれる。この華麗な舞に見とれるなよ。本当を律する風。やれる。Ça va pas mal, Kuro et toi? ごめんね。あとは。ここは任せよ。アイテムだ。ありがとう。僕の番だね。いざ参らん。これで回復。ありがとう。行動可能。物質変換、連成する。助かったぞ。活目せよ。 Position vent. What? Position pique. À mon avis, il vaut mieux que j'évite d'attaquer là. Item da. Item o tsukau yo. Gokazaru koto, yama no gotoshi. Iku ze. Ware ga iku. Ouais. Je pense qu'il faut pas que je les attaque quand ils font ça. Iku yo. Junbi kanryo. さあ、もっとやろうぜ。撃つ。なんと。いける。動かざることを山のごとし。せい。これぞ勝利しており。ここは任せよ。じゃあ、頼むな。 アイテムで回復ね。行動可能。物質変換、連成する。助かったぞ。来ないなら行くぜ。行ける。活目せよ。Ah non, il a remis sa position vent là. これ好きのことで。行くよ。動きについてくれる。 Merde, c'est vrai qu'il se retourne. J'aurais dû attendre. Charge kanryo. Hachiasu. 僕も続くよ。援護に回る。これなら。やれる。たっ。たく。
Parfait. Yoshi, shouka da. Salut Nato. Dianto, je comprends pas pourquoi vous m'avez choisi. Je sens en vous une tristesse profonde, ou des regrets. Oui, vous avez des regrets. Tu as de l'instinct, Dianto. Je m'excuse sincèrement pour ton île. Mais je vous ai pas senti là-bas, pourquoi vous excuser? C'est parce que je n'y étais pas que je dois m'excuser. Si j'avais été présent, j'aurais pu arrêter le Seigneur Zemrod. Comment ça? Mon peuple vient de Salni. Ce sont mes objections à notre stratégie qui m'ont fait évincer de la mission par Zemrod. Quand j'ai découvert que Salni serait la cible, il était trop tard. C'est pour ça que vous vouliez que je vous affronte, pour vous racheter? Vous pensez que vous repentir va sauver votre âme? Ha! Les impériaux ont aussi détruit mon pays. Et la seule raison pour laquelle vous vous inclinez maintenant, c'est parce que votre île a été détruite? Je n'attends pas votre pardon, et nous ne le méritons pas. Mais ce n'est pas parce que nous faisons partie de l'Empire que nous sommes tous les mêmes. C'est facile de juger l'Empire mauvais, mais ce n'est pas si simple. Alors, est-ce que vous pourriez envisager de me laisser vous aider? Le monde a déjà trop souffert. Je ne veux pas... Je ne veux plus voir de disparition. Vous ne pourrez jamais racheter vos crimes. Dianto, écarte-toi! Si tu tires cette flèche, c'est toi qui auras des remords, Shera. Je suis né pour sauver des vies. Je veux pas en voir une s'éteindre aujourd'hui. Très bien, je vous épargne pour Dianto, mais n'allez pas imaginer que vous êtes tiré d'affaire. J'espère que vos remords vous rongeront pour toujours. Merci, Sélénienne. Chaque seconde qui passe, la zone perdue grandit. Nous, les vétérans de l'armée impériale, sommes impuissants. Ce n'est pas grand-chose, mais je peux au moins vous obtenir un aérovol et... Trop tard. Non, il a disparu. Ah, on va tous y passer. On va tous disparaître, courez. Imbécile, vous osez abandonner votre poste dans un moment pareil? C'est la cour martiale qui vous attend. Elle a disparu. Je dois sauver le général Aronus. Laisse-le, on peut pas restaurer tout le monde. On va perdre l'aérovol si on n'agit pas tout de suite. N'oublie pas notre mission, on doit arrêter Chrome avant qu'il soit trop tard. Reste concentré, Kanata. Van. Il a raison. Si nous n'arrêtons pas Chrome, le monde entier sera perdu. Notre seule option est d'affronter ce mal à la source. Je sais que c'est dur, Kanata, mais il le faut. On doit se dépêcher de sauver l'aérovol. Si on parvient à battre Chrome, ces gens auront encore une chance. Hey, pourquoi ils m'ont mis lui là? Alors, on reprend Galdra, évidemment, of course. Bon bah direction la plateforme de lancement. Putain, avec un nouvel écran je redécouvre le jeu quand même au niveau des couleurs. Ça n'a plus rien à voir. Hier je m'en étais pas trop rendu compte mais là avec les lampes et la porte ça change énormément. Un nuage géant se dirige soudainement vers Watt et tout le monde panique. Un aérovol est paré au lancement sur la rampe. Est-ce que ça permettra de résoudre la situation? J'en sais rien, mais on va le piquer, mon pote. T'as encore un jeu où je suis pauvre.
Y'a que dans Persona 5 où je suis pété de thunes en fait. Matsu, c'est toi? Eh bien, c'est pas trop tôt. Plana, te voilà. Et où est Amatsu? On l'a perdu. Il menait ses hommes et essayait de maintenir le moral jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Quand il a entendu que vous étiez en ville, il a su que vous auriez besoin d'un aérovol. Et il voulait que vous en ayez un en parfait état, alors il a commencé à en préparer un. Il avait l'air si content de vous aider. Amatsu, nous promettons que votre sacrifice ne sera pas vain. Allez, à bout les clés. C'est un miracle que l'aérovol n'ait pas disparu. Vous avez de la chance. Il est tout à vous. Garantie satisfait ou remboursée. Je plaisante, il est gratuit bien sûr. Et j'ai la permission de l'empereur. Ah tiens, vraiment? Où est sa majesté? Je ne sais pas. Il m'a donné la permission avant de partir. Moi aussi j'avais l'intuition qu'il vous faudra un aérovol. Salut Az. La capacité à prévoir nos besoins ne cessera de m'étonner, mon ami. Merci, Plana. La vie est pleine de surprises, pas vrai? Oh, j'allais oublier. Je viens avec vous. Je peux pas le quitter des yeux. C'est un peu comme un bébé pour moi. Tu es sûr, Plana? Nous ne reviendrons peut-être jamais. Tu penses qu'attendre ici de disparaître est moins risqué? De toute façon, je dois m'assurer que mon bébé vous mène là où vous voulez. Je ne sais pas comment te remercier, Plana. Avec toi, nos chances sont bien meilleures. Alors l'histoire est bien, tu me disais? De quoi? De l'osphère, Az? Il est là-dedans, c'est là qu'est Chrome. Pas étonnant qu'un monstre pareil crée une forteresse aussi horrible. Et pourtant, ce n'est pas son œuvre. Il l'a emprunté. C'est un bâtiment de mon époque restauré, un symbole d'échec. Chrome s'en sert pour montrer la puissance qu'il a prise à la Lune. La puissance de restaurer ce qu'il veut de n'importe quelle époque. Ce pouvoir n'a jamais été prévu pour être utilisé comme ça. On dirait que l'aérovol va se briser. Il ne tiendra peut-être pas jusqu'à notre destination. L'aérovol ne va pas pouvoir atterrir normalement. On va devoir sauter dans nos exomecs. Prêt? Ouais, hier soir? C'était pas de Vandalore ce que tu me posais la question en fait? Mais je t'ai peut-être répondu sur ce jeu aussi, ouais. Ouf, nos armures ont tenu le coup, mais c'était juste. Qui aurait pu imaginer que des reliques pareilles seraient aussi utiles? Je me demande si c'est la volonté de la Lune. Chrome est à l'intérieur. Allez. En fait, ouais. Au niveau où j'en suis, en fait, sur le jeu, et vis-à-vis du scénario notamment, c'est vrai qu'il a gagné déjà un petit peu en maturité, tout ça, et qu'il devient nettement plus intéressant. Enfin, il est intéressant. Cela dit, je suis quand même un petit peu mitigé parce que c'est un jeu qui, sur la boîte, et comme je le disais hier, il est PEGI 7 ans en fait. Et je trouve que justement, ils ont un petit peu édulcoloré certains aspects du jeu, certains thèmes, pour que ça passe pour cette population en fait, de gamins de 7 ans. À mon avis, le jeu aurait gagné en qualité et nettement plus en maturité. Le scénario qui se veut finalement assez sombre, il aurait pu être tellement mieux si ils avaient levé quelques restrictions en fait. Il y a quand même des gros moments où c'est... Enfin, c'est des dialogues de bébé Kadom, quoi. Attendez, regardez ça. Ce sont des exomecs impériaux? Je pense qu'il s'agit du seigneur Zemrod et de ses hommes. Il a dû comprendre la cause de la fragmentation et nous devancer. Mais... Mais quoi, Galdra? Qu'est-ce qu'il y a?
Ils sont étranges, ils ne bougent pas comme des exomecs normaux. Il manque du sang. Je sais pourquoi. Je suis sûr qu'ils sont affectés par la forteresse. La forteresse peut faire ça ? À mon époque, elle était le symbole de mes faits. Ce champ de force a été conçu pour prendre le contrôle des armures motorisées. Et comme les exomecs sont basés sur ces armures, ils sont affectés aussi. Donc, les exomecs sont sous le contrôle de la forteresse. Donc ils sont contrôlés par Chrome qui essaie de nous forcer à nous entretuer. Ah, symbole de méfait paraît approprié. Un système vicieux conçu par des dirigeants sanguinaires et paranoïaques. La supériorité numérique ne va pas aider dans ce champ de force. Mais nos exomecs fonctionnent toujours. Les exomecs dont la puissance atteint un certain niveau ne sont pas affectés. À mon avis, vos exomecs ne craignent rien. Donc ça veut dire que tous les autres dans cette zone sont... Ce sont tous des soldats de cette forteresse, ou plutôt des soldats de Chrome. Seigneurs Emerald. Pour l'instant, nous devons continuer à avancer. On peut pas se permettre d'hésiter ou de faire preuve de sentiment. Allons-y. Moi j'aime bien le scénario que nous dit Kuro. Moi je trouve que c'est vraiment pas le fort du jeu. C'est clairement d'ailleurs ce qui lui fait défaut. Par exemple, pour Loki, justement, c'est un personnage hyper intéressant finalement. On aurait pu avoir des scènes supplémentaires qui nous montrent un petit peu sa transformation, parce que même si il voulait garder un côté suspense, finalement, on le devine bien avant qu'il nous l'avoue. Donc ça aurait été bien d'avoir eu un petit flashback qui montre justement la transformation. Limite comment ils l'ont charcuté, bon, peut-être pas dans tous les détails, mais... Mais ça aurait été sympa, quoi. Mais je crois que j'ai encore oublié de recharger mes MP. Bah oui. Pour changer. Après, je ne suis pas très loin, je dois me rendre à la prison impériale de nuit. Quand même, il avance, hein. Mine de rien. Ça, c'est d'où je viens, donc c'est par ici. Hop. Je m'ai trompé. Ouais, c'est vrai que le jeu il est aseptisé, c'est le mot en fait. Après, c'est pour toucher plus de monde, hein. Ça fait un petit peu comme le cinéma, quoi. Et des fois, c'est à tort, je trouve. C'est assez rare qu'on ait des RPG vraiment sombres. D'ailleurs, j'ai jamais trop regardé quel était l'âge requis, enfin l'âge recommandé pour la plupart des RPG. Mieux vaut jouer à Condonet pour du gore et des boyaux. Pourquoi? C'est pas incompatible avec certains scénarios de RPG. Hein. Bah tiens, toi qui as fait Illusion of Time, Nanatoru. Il est quand même pas gay ce jeu, hein. Il y a quand même des thèmes ultra durs. Tiens d'ailleurs,
C'était qui m'en a parlé hier? Je me trompe pas. Si, c'est Zenko. Zenko qui m'a parlé d'Alundra. J'en suis sûr même. Zenko, t'as fait Illusion of Time, toi? Ah, la violence. Ouais, tu l'as fait. Ouais, Kodalka, effectivement, aussi. Ouais, Legion of Time, il est vraiment génial. Hein. Faut vraiment que je trouve un point de sauvegarde là pour recharger mes persos. Ah, j'hésite par là ou par là. Ça, j'ai l'impression que c'est pour descendre. Bon, je vais commencer par ce truc là. Exactement, Zenko. D'ailleurs, je crois qu'elle a été censurée, cette scène. Dans certaines versions du jeu. Puis il y a celle des gobelets aussi. J'en ai un vague souvenir par contre de celle-là, je sais que c'est avec des poissons et un gobelet, sans trop détailler. Ouais, les RPG, ça peut être relativement sanglant, hein. Quand tu regardes justement... Bon alors là c'est un MMO, mais... Alors je sais plus si c'est le 11 ou le 14, non c'est le 11, Final Fantasy 11. Le MMO, je me souviens de la cinématique d'introduction, elle est rude quand même. Hein. Majora's Mask et Glauque aussi, ouais mais Majora's Mask c'est pas un RPG par contre. Mais je l'ai jamais fait par contre, Majora's Mask. Pas les agros ceux-là. LAD programme. C'est vrai que les Dragon Dragon Nier sont très sombres. Nier, bah j'ai fait que Automata. Je connaissais pas avant Automata en fait et j'ai adoré effectivement. C'est très spécial. Mais vraiment, j'ai bien kiffé. D'ailleurs, faut que je me le refasse. Il y a des gars qui ont sorti un... Enfin, des gars ou un gars, je sais pas trop, qui ont sorti un espèce de patch pour PC qui permet de jouer en trou 60 FPS. Parce qu'en fait, le jeu ne tourne pas vraiment en 60 FPS. Et ça change tout. Final Fantasy Type 0, la scène d'intro est hardcore. Alors, je laisse ce jeu. Je l'ai jamais fait jusqu'au bout, je crois.
Donc je me souviens pas de la scène en tout cas. Putain, mais c'est un bordel cette zone là. Depuis tout à l'heure je cours, je sais même pas où je vais. Alors je crois que ça c'est un raccourci pour retourner au tout début hein. De toute façon, j'ai remarqué que dans tous les donjons, il y avait une arme à ramasser. Peut-être même plus. Donc il doit y en avoir une ici aussi. Je crois que ça, c'est un ennemi rare. Je sais pas trop comment on les bute, hein. Ah bah comme ça. Celui-là m'a donné beaucoup de sous en fait. Il donne pas d'XP, c'est ceux en argent qui donnent de l'XP je crois. Un Chocobo Kisen quand même, c'est trash. Ouais effectivement. Mais d'ailleurs un jeu relativement adulte et dur, il y a Final Fantasy Tactics. Hein. Bon, il est évident que la suite c'est par ici. Les efforts humains ne sont que pure folie et je les trouve honteusement ridicules. Ça, je me demande si c'est pas pour des quêtes annexes. Nouvelle connaissance d'artefact obtenu Apocalypse. Je n'en sais trop rien. Ah non, il manque toute une partie à gauche que j'ai pas fait là. Il y avait un ascenseur. On va prendre le raccourci pour y retourner. J'ai croisé un mob en or tout à l'heure, mais il s'est barré immédiatement. Bah là, je viens d'en fumer un. Mais t'as peut-être pas mis le son. Tu peux en rencontrer deux types en fait. Et tu peux en rencontrer davantage si tu poses des espèces d'artefacts là. C'est les pétards d'argent et les pétards d'or. Ou pétards d'argent et pétards d'or, ouais, c'est ça, je crois. Et j'ai l'impression que t'en as un qui te donne des thunes et l'autre de l'XP. Si j'ai le son, tant qu'il n'y a pas de scénario, ça marche. Alors là, on est revenu au début, donc je crois que le truc avec l'ascenseur, c'était par là. Ouais, il y a un coffre à la clé. Heureusement que je suis revenu. Fallait monter. Ouais, pas de soucis, quoi. Ça avance ton histoire? C'est maintenant que je capte qu'il n'y a pas de combat aléatoire. Ah ouais, effectivement, ouais. Non, non, tu peux même les esquiver, les combats. Tu peux même te transformer en exomec et déclencher une technique pour justement pas rencontrer l'ennemi. Vagrant Story ou Legend of Dragoon sont très matures, je trouve. Effectivement, Vagrant Story, je l'ai racheté il n'y a pas longtemps. Dans l'optique de le faire hein, sur la chaîne. Alors quand par contre? Bah en fait même sans... Comment dire? Sans trouver de point de sauvegarde, j'ai récupéré mes points vu que j'ai passé des niveaux. Nice. L'utilisateur récupère des PS. Toujours la moitié du chapitre 4, mais je me concentre sur l'histoire de certains de mes persos.
que je n'ai pas écrit avant de continuer. Ça marche. Bon courage. Et Legend of Dragon, ouais, je l'ai toujours en original. Je l'ai pas vendu celui-là. Il a échappé aux arnaqueurs de Score Games ou de Stock Games ou. Enfin bref. Tous ces enfoirés là. Qui profitaient de la naïveté des gamins. Ça, je me rappelle quand je suis parti vendre mes jeux Game Boy pour m'acheter juste un jeu Super Nintendo. Mais le mec, il a dû se marrer. Hein. Je crois que je vous l'ai déjà raconté d'ailleurs. Peut-être pas à tout le monde, mais... Je crois que j'étais venu avec une dizaine de jeux Game Boy. Ils étaient trop bien pour la plupart. Hein. Le game fait ça, c'est 10 balles, ça c'est 20 balles, c'était en francs à l'époque. Quand il est arrivé sur Tetris, il fait ça, tu me le donnes. Et je me rappelle, j'avais pris un seul jeu à cette époque-là, c'était Mortal Kombat. C'était une époque où... où c'était, je pense, un bon jeu. En tout cas, j'en garde de très bons souvenirs. Oula, on change radicalement de décor là. Je vais commencer par les côtés. Ils vont être chiants à taper ceux-là, je le sens. Ouais, carrément, donne. Bon, il a peut-être dit ça pour rigoler, je sais même plus ce qu'il m'a filé pour ça, mais en gros, ils en avaient tellement des Tetris, je pense que ils le reprenaient pas vraiment. Quoi. Mais bon, c'était à une époque où t'avais pas besoin de demander à tes parents, tu vois, pour vendre des jeux. Et j'en profitais à fond les ballons, quoi. Enfin, il y avait un vide juridique. Je sais plus trop quel âge j'avais, mais... Ah, ils m'ont bien roulé, hein. Ça, c'est sûr. Hein. C'est pour ça qu'on pourra critiquer autant qu'on veut Micromania avec ses politiques diverses et variées, notamment comment dire, leur tarif. À côté de ça, quand tu revends des jeux pour racheter derrière, apparemment ça vaut vachement le coup. Hein. J'ai un pote qui fait que ça, parce qu'il garde pas les jeux, et franchement, il s'y retrouve très très bien. Hein. Oh, calmez-vous les gars là. Hein, il s'est passé quoi là? D'où j'ai perdu un perso? Oh, ils sont chiants ces ennemis, sérieux. T'avances pas en fait sur cela.
Je confirme, je me suis fait 130€ une fois chez Micromania en vendant des jeux, ça valait le coup. T'as racheté derrière, c'est ça? LAD programme. バトル環境が変化。僕の番だね。対応する。やあ。Mais là plutôt sur le Discord de ton, ton histoire, Nanato. Ça, je peux pas passer. Ah bah voilà. Tout bêtement. Merde, j'ai oublié de heal l'autre par contre. Bon, je vais attendre pour ça. Ah merde. Pas celui-là, je voulais taper. ボクの番だね。負けるわけにいかない。私に任せて。行くよ。動きについてくれる。旅の邪魔はしないでほしいんだけどな。 Ok, ça c'est sûrement la suite. Quoique. Quoique. Souvenir Hadès. Ok. Il a un petit peu Galdra comme ça. この私がやられるとは。必ず助ける。行くよ。取れ。
Faut que je la soigne sur le prochain combat avec Kanata. J'ai finalement atteint le pinacle ultime. Je contrôlerai désormais les cuirassés. Vengeur. Je pense que notre ami Obaro a des révélations à nous faire encore sur cet endroit. Purée, s'il me la flingue dès le début, c'est mort quoi. Alors, on va faire ça pour augmenter le taux de coup critique. Charge kanryo. Hatcha suru. Artefact kouka ni henka ga. Chikara oshi dake de wa. Ah non! Allez! Attends, on rate beaucoup quand même. Artefact. Tire balayé. Allez, feu. Actuator. Maïdaï Kuro. Tok no bandane. Matomete atare. Yareru. Ugoki ni tsuite kureru. Bonne soirée, Kuro. Alors, c'est quoi déjà autre source? On va peut-être quand même mettre une potion. Ah bah non, c'est bon, elle a pris un level, Galdra. Attends. Comment ça se fait que Kanata il est à la bourre comme ça là? C'est vrai que pendant un moment on l'avait plus, mais bon. C'est le son du piano des FF. Comment ça? Tiens. Ces émeraudes. Je vais être sûr de là où je suis. Ouais. Les émeraudes. Quelle ironie. J'espérais des renforts et c'est vous qui arrivez. Seigneur Zemrod, vous allez bien? Galdra. Vous avez donc choisi leur camp? Pardonnez-moi. Je suis un soldat, mais je dois avant tout suivre mon cœur. Je ne vous blâme pas. Les gens deviennent toujours des ennemis ou des amis et font la guerre. C'est l'ordre naturel des choses. On n'est pas vos ennemis. Vous ne comprenez pas? Nous sommes ennemis. Si vous ne vous rendez pas, il ne peut en être autrement. Je suis venu car je crois que la chose qui menace l'Empire se cache ici. Je ne suis pas là pour palabrer avec vous. Il est fou, lui. Bah tu vas quand même palabrer, mon pote. Lola, calme-toi. C'est quoi cette violence, là? Alors,
Il m'a collé une paralysie. Est-ce que j'ai pas un truc juste pour la paralysie? Supprime la paralysie, voilà. Alors, attaque avec Galra pour une attaque physique neutre avec mort instantanée. Putain, mais il va me flinguer quelqu'un, ce connard là. Je réfléchis. Ah non, il fallait que je rate le dernier quoi. Ce n'est point Zel. C'est lui que je voulais. Pour une potion plus plus. Vital Combata. Sado. Tatsumaki. Tachinobore. Il m'énerve. Yoshi. ありがとう。やれる。アイテムで回復ね。準備完了。いける。その共にミドル属。きっちり守れば。分析開始。照準完了。援護に回る。私に任せて。やばがる。押してまい。燃え盛れ。 Alors, il n'y a pas un truc pour réduire l'attaque physique? Si, j'en ai une. C'est sur Kanata. Tiens, ça, ça ralentit. Ça peut être pas mal. Sauf que ça passe pas. Putain, j'aurais dû lâcher l'autre. Ah, le naze. Il est violent un peu quand même, hein, dans le genre. Ah là, putain, je peux en avoir que deux. Là, ça sera cela. Eh ben non, en fait c'est normal, l'autre est mort. Putain, sa barre d'ATB elle monte trop vite. Qu'est-ce que c'est chiant, c'est raté là. Explose un fuge des dégâts de magique de feu, ça me plaît bien. Mort instantané, mais t'as rêvé mon pote. Il se recharge sa vie en plus. Épouse. Ah, il est hyper chaud en fait. Hein. Alors si je fais ça, je peux pas d'ailleurs. Putain, il est full life. Non mais je rêve. Putain, je me suis mangé des omnislash, ouais. Je vais crever. Je réfléchis.
これを使う。助かったよ。アイテムだ。ありがとう。竜巻よ、立ち上れ。そうそう。Arrête tes conneries maintenant, hein, ça suffit. Non, mais recommence. C'est bon, calme-toi un peu, mon pote. Là, j'ai pas le temps d'appuyer sur Karen. C'est pas grave. Alors. Putain, mais c'est pas possible, c'est raté là. Ça m'énerve. Ah, purée, pas le temps de heal quoi. Et là, je peux pas le remonter. C'est cuit. Oh là 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 là. J'aurais peut-être pas dû commencer avec les exomecs. J'en sais rien. Putain, en un coup il me l'a jarté. Ouais, bon, je crois que c'est mort là. C'est dommage, il était quasi mort là. J'ai été médisant. Bon, il fait toujours mal, mais c'est un peu mieux quand même. Putain, j'ai pas le temps de taper le dernier. J'avais un doute sur ce que j'allais utiliser. C'est un peu mieux ça, hein. Alors, Sectilam. Je crois qu'il vaut mieux mettre ça. Donc là, il va se heal. Ouais, c'est ça. On est obligé de le taper deux fois en fait. Il me semblait bien. Bon, la différence est flagrante quand même. C'est vrai que j'améliore jamais mes armes, mais c'est mieux que d'acheter du stuff en fait. Putain, je l'ai loupé encore, mais c'est pas possible. Peut-être 3 même. Je sais pas. Déjà, il me fait son super coup.
Heureusement que j'étais plus ou moins full. Et que j'ai ça. Vital Converter. Sado. Ça, ça va me sauver en fait. Attends, là, il, normalement, il est quasiment à zéro. Là. Putain, mais c'est abusé. Il va remettre ça. Hein. Et je rate, évidemment, of course. Là, normalement, il est mort. Ah. Ouais, donc faut le taper deux fois, en fait. Costaud, hein. Ouais, désolé, Zenko, les liens sont bloqués par défaut, en fait. C'est pas moi qui le choisis. Y'a que les modos qui peuvent mettre des liens. Ça me coûte de l'admettre. Mais il semblerait que j'étais contrôlé par les forces des ténèbres. Oh, l'excuse facile. Elles m'ont forcé à combattre contre ma volonté. Grâce au coup que vous m'avez porté, je suis libre. J'aimerais vraiment voler au secours de l'Empereur. Mais il est préférable que je me retire. Cette mission est la vôtre, mais le temps presse. Vous devez vous hâter. Zemrod, mais comment? Je viens de vous le dire, non? Nous n'avons pas le temps, dépêchez-vous. Pas la peine de nous le dire. On comprend, notre revanche sur vous attendra que tout soit terminé. Je n'aime pas l'idée de suivre les ordres de Zemrod, mais il a raison. Nous devons y aller. Je suis content de vous voir entendre raison. Et merci, Kanata. Pour t'avoir mis une raclée. Je ne crois pas encore tout ce que vous m'avez dit, et je pense que c'est réciproque. Cependant, pour le moment, nous devons nous concentrer sur le fait de vaincre Chrome. Vous savez pour Chrome? C'est lui qui vous a possédé? Je ne suis pas sûr. Dès mon arrivée, j'ai perdu le contrôle de mon corps. Mais d'après l'Empereur, il s'agirait bien de l'œuvre de Chrome. L'Empereur est ici aussi? Oui. Nous étions ensemble jusqu'ici. Mais il a continué quand j'ai été neutralisé. J'aimerais pouvoir l'aider, mais je ne suis apparemment pas en mesure de le faire. Vous, en revanche, avez réussi à me vaincre. Je dois donc vous demander d'aider Sa Majesté à ma place. Je sais pas si on va pouvoir, mais je promets qu'on fera de notre mieux. Et après ça, vous pourrez être sûr que je reviendrai pour vous. Nous y allons. Vous pouvez compter sur nous. Seigneur Zemrod, nous y allons. Faites votre possible pour couvrir nos arrières, s'il vous plaît. Bon, rejoignez-nous quand vous irez mieux, Zemrod. Chrome est plus fort que vous imaginez, on aura besoin de vous. Surtout que lui, il m'a mis une raclée comme il faut. Hein. Alors que je viens de vous déclarer comme ennemi. Pourquoi PM Zemrod? J'aimerais que tout le monde soit aussi fort et généreux que vous. On va aller récupérer les PE, hein. C'est la suite par ici ou pas? Je me demande si j'aurais pas dû aller de l'autre côté. Post-mortem Zemrod. Wow! Qui se calme, hein? Moi aussi, je ne peux pas continuer.
Ah putain, ils sont chiants à mettre leur sang furtif là. Après, j'arrive pas à les toucher.力をしたけでは私が行こう。よし、相手だ。行くよ。動きについてくれる。やれる。 J'aimerais bien flinguer cela, mais je sens que je vais pas y arriver. Sur les deux, pépèche, ouais. Yaruna, sono toshi da. Kodou kano. Bunseki kaishi. Shoujun kanryo. Yaruna, sono toshi da. Take! Ils m'ont donné beaucoup de sous, ceux-là, je trouve. Ah non, ça c'est la suite, c'est sûr. Donc fallait que je prenne l'autre chemin, purée. Évidemment. Trop, mais ça va être en dessous, bien en dessous à mon avis. Maintenant que je les ai up autant. Sinon quoi de neuf? Bah rien, depuis hier, pas grand chose en fait. Et toi? Il y a quand même un bug assez assez révoltant, là il y a écrit L1 retiré Exomec. Parce qu'en fait quand tu le retires trop vite, bah il arrive pas à suivre. J'ai l'impression. Ou alors ça parle du règle de l'équipe, on sait trop rien. Hein.